Previously on Resident Evil 7 Biohazard. Tu sais à quoi ça sert? Tu sais ce que Zoé veut faire avec ça? Quoi, Evelyne? J'essaie juste de lui montrer. J'essaie juste de lui montrer qu'on ne veut pas tous que les choses redeviennent comme avant. Tu veux mourir, toi? Voilà, bah tu vois que tu meurs. C'est tout, c'est fini. Je sais vraiment pas quoi dire. Le gros est à terre, le gros est à terre. Oh non! Passez une bonne journée! Espèce d'enfoiré! T'es censé mourir! Oh merde! Non? Non, quel talent! Bonjour! Ah bon, bon. C'était censé être pour toi, putain de merde! Ça va pas te mordre, t'inquiète pas. Si la caisse se transforme, ça serait tellement drôle. Bien, il y en a assez pour deux. Hé hey, je te fais confiance. Il y en a un pour moi. C'est Jack ? Bon là je l'énerve un petit peu hein. On lui tire dans les zones érogènes. Ah il aime pas. Utilise le sérum sur lui. Ah ouais. Oh, j'ai que le sérum. Dans ton œil. Hop, 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 hop. Ah bon? C'est censé faire ça? Est-ce que ça va? Ouais, Mia, je t'aimais bien, mais moi, j'ai envie de refaire ma vie. Et puis, t'étais plus belle dans mon souvenir. Ouais, si, c'est vrai. Non. Si. J'ai un travail à finir. Ah, voilà. Là. C'est le bateau à bord duquel Mia et Evelyn sont venus. C'est une blague. Qu'est-ce que ça fout là? Non. Qu'est-ce que t'as vu? Pitié. Zoé. Ellie. Oh. Ah ouais, d'accord. Zoé. Zoé. Oh putain. Maman. Par ici. N'ouvre pas les yeux. Fais semblant de dormir. Ah d'accord, je joue Mia. Non. Oh putain, oh la loose. C'est quoi ça? C'est le bateau? Ils sont fous là. Comment? Ouais, comment? Pourquoi? Intriguant. Donc Evelyn appelle Mia maman. On savait un petit peu, hein. On avait vu des indices. Mais, ouais. Alors, elle a tué Zoé. Mais Evelyn, c'est Akira, en fait. Pourquoi elle laisse Jack faire tout ça, alors? Pourquoi elle laisse les Baker être méchants? Parce qu'elle est méchante. C'est moi? Ah, on va enfin voir Ethan. Pas comme t'es beau. Ethan. Ah bon. Ethan. On va pourchasser cette merde. Ouais, je suis pas mécontent. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc le bateau qui s'est sur le bayou, c'était un paquebot de folie, quoi. Ça veut dire que la mer est pas loin alors, parce que quand même pour s'échouer là, vu la profondeur d'eau, et vu, hein, vu la taille du bateau, c'est un petit peu bizarre. Hein. Peut-être le saurons-nous bientôt pourquoi. Peut-être que c'est Evelyn qui a fait léviter le bateau. Alors c'est pas. Moi je dis il est tombé du ciel, c'est pas possible autrement. Donc le plan c'est que j'ai pas d'armes. Même Zoé voulait pas y retourner, quoi. Bon, en même temps, Zoé, on sait pas si elle était forte. Elle s'est fait capturer par Lucas, ce gros ringard. Donc, voilà. On sait pas, quoi. C'est dommage pour le sérum, quand même. Avancée scénaristique en approche. Ok.
Parfait. Qu'est-ce que c'était ? C'était un flash, Mia. C'est tes propres souvenirs. Tu as perdu la mémoire aussi. Au moins, elle a une lampe, hein. Je viens de percuter. C'est bien, Mia. Toujours avoir une lampe sur soi. Toujours. Il y a des bruits de dégueulis ? Oh putain. Ah bah oui, les passagers, oui, c'est vrai que les passagers du bateau, ouais, forcément. Y'a pas un qui a un flingue, là ? Ouais, non, non, ça marche pas comme ça. C'est dommage. Bon. Ok, vas-y, vas-y. Munitions, putain. Ça va être une partie sans armes, quoi. Pourtant... Ils sont morts. Ils sont tous morts. Qu'est-ce que tu dis ? La salle des machines. Putain, qu'est-ce que tu racontes ? Elle les a tous tués ! Oh, merde. Qu'est-ce qui se passe ici, bordel ? Il nous faut des armes. Est-ce qu'il y a des armes sur ce navire ? Je sais rien, mais... Bon, passons par là, on peut peut-être sortir d'ici. La détermination d'un homme qui a peur pour sa vie. Et si j'ai pas envie de les suivre, hein, t'as pas le choix. Tu suis. Ah, et pas bête. Pas bête, pas bête, ils sont passés par là. Et c'est pas bête. Bravo, messieurs. Okay, Evelyne a tué tout le monde. C'est pas bien, Evelyne. Pourquoi t'as fait ça? Comment t'as fait surtout? Quels sont tes pouvoirs? Les cafards. Oh là, ça c'est de la chute. Ouh, miam miam! Oh, ah non, d'accord. Ah, c'est le mur. Ok, tout va bien. C'est un cul-de-sac là-bas. Elle n'est pas mon enfant. Ah, ah bah t'es pas allé loin toi. Oh. Comment elle fait ça? Oui bon, t'avais vu donc. Il veut sûrement se cacher pour échapper à quelque chose. Ouais, sans blague. Registre de l'équipage, capitaine Ed Carlin, mécanicien. Bla bla bla. Ouais, il y a pas de nom qui m'évoque quelque chose. Un professionnel de la licence, mais je ne pense pas. Ah, qu'est-ce que tu fais? Mais faut pas mettre ses pas dans les toilettes, voyons. C'est extrêmement sale. Bon, les deux sont morts, donc. A priori, de toute façon, y a pas de survivants. Hein. Y a qu'Evelyne. Elle est en moi, elle est en chacun de nous. Donc Evelyne, ouais, elle est super balèze, en fait. Vaut mieux être son amie. Cette petite balade est fort sympathique, hein, j'aime beaucoup. Oh, il est immense le truc. Tiens-moi ça. C'est même pas. C'est un bateau de croisière, c'est quoi? Non, même pas. Doucement. Ah. Eh ben. Est-ce que tu te souviens? Quoi? J'avais... Qui as-tu? Ouais, je suis sûr. Donc Mia a perdu la boule. Bizarre. Bizarre, bizarre. Il va falloir qu'on m'explique un petit peu ce que c'est que ce bordel. Hein. Allez, ouais. Ouais. Encore ? Ouh. Un petit dernier ? Allez. Ouais. C'est obscène. Ce jeu est obscène, je n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. Si on regarde bien. Bon, bah, faut y aller, hein, y a de l'eau apparemment. Bon, après, y a de l'eau, vite fait. La nature reprend ses droits. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ah. Tu as dit qu'on pourrait être une famille.
Dis ça, de quoi est-ce que tu parles? Tu l'as dit! Attends! J'en ai assez d'attendre. S'il te plaît. Mais pourquoi tu t'en vas? Tu veux parler ou tu veux pas parler? Pourquoi tu me ramènes là si tu veux pas... Tu veux jouer à cache-cache? Mais tu me saoules! J'ai pas le temps! C'est dingue ça! Ça c'est des gosses! Ouais, c'est intéressant! Ah! Oula! Ça y est, commence à y avoir du loot! Les choses vont peut-être... Il y a un truc qui marche! Bon, il faut un flingue! Ok, je me casse. Je vais être encerclé. Ah putain, il y a une bestiole. Ah bah, je suis revenu dans la même salle. Ouais, prends le fusil, j'en sais rien moi, prends-le, ouais. Flingue, flingue, flingue. Ah, va bien, calme-toi. Oh putain. Ah, il m'attaque pas. Je suis leur copine, je suis leur chef en fait. Ouais, bien sûr. Psychostimulant. Ouais, 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 ouais. Prends-le. Non, prends-le, tu vas te faire manger. C'est pas fermé, c'est parfait. Ok. Mais il me faut une arme. Dis-moi que c'est ouvert. Putain, flingue, là. Tu comprends pas qu'il faut un flingue, là. Tu liras plus tard. Ah, mais il y a une caisse, mais tu peux même pas l'ouvrir. Je suis où, là? Je sais pas, mais j'y vais. Ok, là ça sent bon ça. Si, si, si. Oh, parfait. Là il y a un flingue. Ouais! Alors, charge-moi ça, dépêche-toi. C'est bon. Ouais. Sauvegarde immédiatement. Dépêche-toi, faut qu'on en finisse. Alors. Fusible, mets-le, mets-le. Parfait, cherche pas. Ouais, ouf tout, j'en sais rien. Retourne-y, retourne-y, il y a du loot. C'est important, le loot. Le loot, c'est la vie. C'est parti, oula. C'est quoi cette merde? Putain, mais c'est pas là? C'est horrible. Jeannette, j'espère que tu vas bien. J'imagine que 6 mois se sont déjà écoulés lorsque tu liras cette lettre. La vie est si ennuyeuse ici. Tous les jours, c'est la même chose. La mer encore et toujours. Enfin, il y a tout de même un peu de nouveauté cette fois-ci. Nous avons des passagers à bord, ce qui n'arrive presque jamais. C'est un couple avec une petite fille. Je pense que ce sont des parents éloignés du capitaine. Tu t'imagines, toi? Pardon. Voyager sur un pétrolier au lieu d'un navire de croisière? Il doit vraiment être fauché, c'est un pétrolier. J'ai essayé de parler à la petite tout à l'heure, mais son père m'a acheté un regard glacial. Pourquoi est-il aussi méfiant? Maintenant que j'y pense, il me semble que le capitaine a dit qu'il n'avait pas de famille. Peut-être que je m'en fais pour rien. Tu me manques, je t'aime, Jim. Jim! Pourquoi t'es mort, Jim? D'accord. C'est bien. Croyant sur l'Amazone, beauté du lagon noir. Allez, je fais du bruit, qu'est-ce qu'il y a? Il est déjà trop tard pour nous, mais au moins je peux informer le monde de ce qui nous est arrivé ici. Comme j'étais de nuit hier, j'ai fait une sieste dans le dortoir vers midi. J'étais à moitié endormi quand j'ai entendu le rire d'une gamine. Ou peut-être que c'était dans ma tête. Je me suis levé à 19h30, il y avait du grabuge dans le couloir. Drew, l'un de nos mécaniciens, est entré et a dit que quelque chose se passait en bas. Peut-être une mutinerie. Son visage était blême. Décidé d'aller voir, mais il n'est jamais revenu. Il devait être environ 19h50 quand j'ai entendu ses hurlements. Je me suis rendu à la buanderie et j'ai vu Clark en train de se faire dévorer par une sorte de monstre tout noir. Cette chose s'est ensuite retournée et a commencé à venir dans ma direction en faisant claquer ses énormes dents pointues, semblables à celles d'un requin. J'ai crié comme une fillette et j'ai pris mes jambes à mon cou. À l'heure où j'écris ces lignes, je suis recroquevillé dans le dortoir avec la peur d'être dévoré à mon tour. Les couloirs sont déjà infestés de ces créatures. Il m'arrive encore d'entendre des hurlements, mais il est hors de question que je quitte ma cachette pour le moment. J'espère que quelqu'un trouvera cette lettre. Giovanni Finetti! Ay caramba! Bon! D'accord. D'accord, d'accord. Donc c'est un pétrolier. Et bien sûr, quand un pétrolier comme ça disparaît, on ne le cherche pas. Non, non, non! Non, surtout pas. Faut une clé. C'est là où... Non, c'est pas là où elle s'est enfermée l'autre. Je sais plus. Bon, il y a du loot là ici que j'ai oublié. Ouais, il y a quoi là-dedans? Ah,
tu l'as déjà fait ça. Pourquoi tu casses tout comme ça? Ah, oh, une plante. C'est de la bonne. Allez, la chimie. La chimie est ton ami pour la vie. Hop. Ouais, non, je suis pas là. Je suis pas là, je m'en vais. J'ai loupé du loot, mais je sais pas où il est. Je sais pas si on pourrait y retourner. Mais en même temps, j'ai envie de dire c'est pas grave. L'important. C'est ouvert. T'as failli. Hein, t'as failli faire demi-tour. Bon, non, t'as vu. Regarde ça. Oui. Quoi? Pourquoi? Tu dois te souvenir. Comme ça, on pourrait être une famille. Ouais, mais j'ai pas trop envie d'être ta mère. Enfin bon. La cassette, elle est pleine de trucs noirs dégueulasses, hein. Ah oh, si. Mia Winters, cabine. Ok. Allez, on y va. Alan, ton état s'aggrave. Elle a dû m'infecter durant l'attaque. Il est trop tard pour moi. C'est tout ce que je mérite. C'est ma faute s'il s'est enfui. Oui, c'est ta faute. Mais ça veut pas dire que je vais te laisser mourir. C'est gentil, Mia. Elle t'a pas attaqué? Non. Ça fait partie de son protocole d'empreinte. J'arrive pas à croire ce qui nous arrive. Tiens. Il contient des échantillons de ces tissus. Tu la retrouves. Et tu répares tout ça. Allez, Evie. Où es-tu? Il y a du matos. Mitrailleuse. Putain, Mia, tu rigoles même pas en fait, mitrailleuse. Mais Mia, mais tu me caches des choses, hein. Ma femme est une super warrior, hein, et je ne le savais pas. Division des opérations spéciales, directeur Alan Droney, responsable Mia Winters. D'après nos récents rapports, il y a un risque élevé que des organisations adverses tentent de dérober Evelyn si celle-ci reste à son emplacement actuel. Vous avez donc pour ordre de la transférer vers notre branche centra-américaine afin qu'elle soit placée en lieu sûr sous le nouvel ordre. Lors du transfert, assurez-vous de suivre les protocoles suivants. Faites-vous passer pour les parents d'Evelyn afin de ne pas éveiller des soupçons. Utilisez le codex de son génome qui vous a été fourni pour contrôler les signes vitaux d'Evelyn. Si la mission venait à échouer, procédez immédiatement à l'élimination d'Evelyn. Et tu l'élimines comment? Ah, il y a de l'eau là? Non, pas du tout. C'est super propre. Ouais. Ouais. Fais un temps de merde. D'accord, le bateau n'est pas encore échoué. Elle est proche. Elle est proche. Le nombre indique la distance jusqu'à la cible. Elle est là-bas. Mais nous, on va aller là. Parce qu'on est des délinquants. Et on veut récupérer de la merde. Oh merde, c'est verrouillé. Là, il y a quelque chose. Des munitions. Oh là 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 là. J'ai pas vu là, j'ai pas vu là. Ça, là, arrête de regarder ta montre. Merde, ça s'éloigne. Ok, faut aller là-bas alors. C'est quoi ça? Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Ah! Non, on peut passer là ou pas? Ouais, on peut passer. 19, 18, 40, 12. Parfait. Ouais, d'accord, ça marche pas. Ok, j'ai compris. C'est une chambre. C'est une chambre. C'est quoi ça? Hunting Life! Guns for the Avid Hunter. Wow. C'est pas une porte ça? Non, elle est là la porte. Ah sacré Mia, tu me fais trop rire. 8 mètres, 9 mètres. Oh merde. C'est rien ta montre, elle est bidon. Ah, il y a un ascenseur, bah voilà. Putain, il vaut mieux finir d'explorer.
J'ai tellement exploré. Regarde, on vient de là. Hop, regarde. Ah, t'as de la chance, toi, je peux pas tirer dessus. Bon, bah très bien, donc j'ai oublié quelque chose. Là, c'est fermé, hein. Ouais. Ouais, la prise. Ouais, c'est intéressant. On va retourner là-dedans. J'ai un petit peu couru dans tous les sens. Tiens, non, regarde, t'avais pas vu ça. Non. Faut s'approcher de ça. Elle vomit. Elle vomit. Merde, je dois le réinitialiser. Comment ça se passe? Elle vomit une quantité bien supérieure à sa masse corporelle. Oh, génial. On va être envahi par ces immondes petits copains si ça continue. Bon, il faut la trouver vite, avant que ça dégénère. Je suis d'accord. Allez, on se casse. Ascenseur. On y va, on regarde pas. Pour l'instant, il n'y a pas de monstre. Il y a une plante là. Hein. Ouais. Ah, je l'ai entendu trop tard. C'est de la merde cette arme! Écoute! Quand même, c'est mieux qu'un pistolet, non? Non, c'est pas mieux. Putain, je comprends qu'il y a des balles partout. Bon, j'ai tiré la moitié des balles à côté. Oui, mais quand même. Ah, t'as la main en sang. Tiens, soigne-toi. Tu peux pas. C'est pas lourd. Ouais, voilà. Allez. Tu te soignes et tout de la porte. Ah, ça tangue. C'est la tempête dehors. Meurs ! Meurs ! Ah ! Meurs ! Voilà. Ah non, l'ascenseur est reparti. Ah, j'ai bien vu. On va grimper par la trappe. Non, c'est une échelle, ça. Sur un bouton. On est où là? On est au premier étage? Pas au deuxième? Non? Ok, bon, au premier. Ah d'accord, bah, alors! Va où tu veux! Attends, non, va. Va où on te laisse aller? Déjà? Rapide! Ok. On est bien. Je m'en fous de ta montre si tu savais. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi musique fait peur? Mia! Evelyn! Arrête! Cool, putain! Je me fais toucher à chaque fois. Ah, j'ai trop confiance dans mon arme. Ah, j'ai pas encore compris. Qu'on peut bouffer une herbe comme ça pour se soigner. On va essayer, tiens. Non, ça marche pas. Si on peut, regarde. Miam miam! Ouais. Ah, de la munition, parfait. On a bien besoin. Oh, ouais. Ah, c'est un gros. Ok, c'est pas grave. Oh là là. Viens, viens. Ah, tu titubes, hein? Ah, t'es bourré, hein? Bon, en fait, je suis pas sûr que viser la tête ce soit particulièrement efficace. Tu sais, logique, quand même. C'est fermé! Ça se voit, la serrure est bizarre. C'est quoi ça? C'était quoi? Une pompe télécommandée. Arrête. Oh! Oh, c'est génial! Bombe télécommandée, quoi, vous vous rendez compte?
Tu vas où là? Tu pourras jamais m'atteindre. Hein, tu vas sauter? Et non, tu vas pas sauter! Parce que t'es bloqué! Ah d'accord, une escalier. Ok. Bien. On se retrouve en bas. Espèce de ringard. Bien. Voilà! Ouais, ouais! Bon, y'a rien, y'a rien. Ça va, monsieur? Oh, monsieur, vous êtes mort! 31 mètres. 20 mètres. 7 mètres, elle est là. Elle est là, elle est là. Elle est là ou pas? Allez, vas-y tout de suite, ouais. Oh, j'ai un coup. Ouais. Allez, championne. C'est bon, y'a rien. Ouais, on est bien. Ouais, carrément. Oh, c'est quoi? Corrosif? Qu'est-ce que c'est que ça? Un acide fort capable de dissoudre certains métaux. Ah, ça, c'est pour la porte bizarre, peut-être? Sûrement. Plutôt que de trouver les clés, on les explose. Genre celle-là. Bien. Ah, ouais, hein. Ah, c'est efficace. Allez, mets un kick. Faut mettre des kicks dans les portes, un peu. 31 mètres. Ah, mais genre, dès que j'arrive, elle repart. Non, Evie. Je ne suis pas fâchée. Attends. Comment tu m'as appelée? Je veux plus vivre au laboratoire. Je veux une maison. Et je veux que tu sois ma maman. Ok, Evie. Je serai ta maman. Mais viens avec moi maintenant. D'accord? Où es-tu, Evie? Cette porte est fermée. Elle est partie. Elle se fout de ma gueule. Ah! Evie, attends! Je te fais rire. Punition! Sale gosse. Est-ce que tu l'as trouvée? Oui, mais elle s'est enfuie. Elle génère d'autres créatures, Alan. Ces trucs sont partout. Je te l'avais dit. Est-ce que ça va? Occupe-toi seulement de ramener Evelyn. Alan, il va pas bien, hein? Ah non, Alan, à mon avis... Ah oh, putain. Ah d'accord, il y en a deux. Ouais, mais non. Bah non, ouais, c'est pas rentable. Ils vont pas à la même vitesse. Eh ouais. Oh la jolie. Oh là là, oui. Oh les tirs. Putain, mais c'est le vent du rêve. J'ai mort. Tu meurs un jour. Ah ok. J'attendais que sa tête éclate. Je t'avais oublié toi. Ah, je suis pas là hein. Bien, continue à tirer des balles alors qu'ils sont déjà morts. T'en as plus que 17. Putain, c'est pas possible ça. Ah, oh, l'amateurisme. Vite, 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 vite. Ouais, cherche pas. Bon, moi, tu vas voir. Non, c'est bon. Pas la peine. Charge. Bombe télécommande. Oh, chier, c'est parfait. Pouvoir tenir un siège. Bon, ok. J'ai un peu de munitions, mais on va pas aller loin quand même. Je suis déjà venu là. Oh là. Prends une bombe. Ok. Prends une bombe. Attention. Qu'est-ce que t'es naze. Alors, t'es mort, hein? Mais... Ah, putain, il y en a deux. C'est parfait. Le piège. Pourquoi je peux pas tirer? Ah, boum. Pas mort. C'est une blague. Voilà. Baisse-toi, il y a des flammes. Ce serait dommage que tes cheveux prennent feu. Ce serait drôle, ce serait dommage. Mais viens! Si tu veux que je sois ta mère, putain, mais arrête! Complètement con cette gosse! C'est vrai quoi. Allez, l'ascenseur, dépêche-toi.
Oh, t'as m'envoie des monstres. T'y penses à la santé de ta mère un petit peu? Oh bah on va en haut a priori hein. Système de verrouillage d'urgence activé. Moi je prends bien l'échelle moi, on peut pas. Hein. Alors faut sauter. On ne peut pas sauter dans Resident Evil. Non, non. On peut monter, ouais. Tu sors pas ta montre? Bon, pas tant pis. On va par là. Ah bah c'est d'accord, c'est Alan. Non. Ouais si c'est Alan. Evie est en haut. Ah, il répondra pas. Alan, Alan, où es-tu? Il est en haut. Il a gravé un message sur le mur hein, avec son sang. Ouais, parce que Alan, c'est un ancien. Il prend pas un bout de papier, un stylo. Non, non, non. Ça serait trop facile. Bon, cette alarme est pénible. Il est temps que ça cesse. Est-ce que je peux mettre du... Ah bah oui, je peux, bah voilà. Je sais pas à quoi ça sert, mais je vais le faire. Ça va ouvrir... C'est un coffre? Oh, trésor! Putain, c'est trop beau. Le pétrolier avec des bombes télécommandées dessus. Ouais! Ah bah c'est les normes européennes, hein. Il y en a deux ou pas? Je sais pas. Ah, t'as plus de jambes! Il y en avait qu'un? J'ai cru en voir deux. T'as halluciné? Bon, la vie c'est pas glorieux. Tu peux faire bien un truc. Ouais, fais-le, fais-le. C'est pas encore critique, mais ça va pas tarder à l'être à mon avis. C'est quoi ça déjà? Ouais, c'est la salle du banquier, mes fesses là. Je peux cramer ça. Bon, il en restait un quelque part. On est bien! Et encore des bombes. Mais une bombe. Non, les bombes sont pas faites pour ça. Eh ben, c'est dommage. Oh, crotte. Miam, miam. Ah, il y en a deux, dommage. Ça fait mal à porte-nez. Ah, putain, espèce de... Tu peux pas me... Ah, il a fermé les portes. Bon, allez, ça suffit. C'est un moment, hein. On va arrêter les conneries, peut-être. On s'amuse, mais on a monté sur quoi? Ah, là, d'accord. Ah, j'avais pas vu. Donc là, on suppose que on s'en fout, hein. Oula. C'était quoi ça? Ah d'accord. Ah, ce petit slide là m'a surpris. Hein. Bon bah faut aller en haut hein. Alors on va en haut. Je me soigne ou pas? Oh merde. Oh non! Ah si. Lumière? Lampe torche? D'accord. La salle de commande. Ouais. Bah, c'est bien, écoute. Hein. Y a rien là-dedans. Déception, la déception est grande. Hein. Ah ah, y a Alan. Alan, ça va, mec? Comment es-tu arrivé ici? Oui, Evie. Elle est hors de contrôle. Sans les traitements, elle se détériore.
m'en va. Foutu pour foutu, je préfère crever maintenant. Ne dis pas ça. Dis pas ça, Alan. On va s'en sortir. Elle te fait confiance. C'est une petite pierre, cette machine. Oh non. Attends. Evie. Non, Evie. Evie. Alan. Je voulais pas. T'as fait comme ça. Elle Evie. Essaie de prendre le pas. Contrôle. Je voulais pas. Tu dois la combattre. Est-ce que je vous laisse? Allez. Tu peux y arriver. Ouais, comme ça. Non, pas comme ça, pas comme ça. Non. Non, Alan. Arrête ça tout de suite. T'es pas là. Bon, on va peut-être pas rester là. Hein. Ah, ils s'en veulent pas. Putain, elle est balèze la petite. Ah, t'es vilaine quand même. T'es balèze mais t'es vilaine. Ah oui, je reconnais ses bottes. Qu'on a vu dans l'épisode 2. Ouais, dans l'épisode 2. Chez les Baker. Alors, moi par contre, j'ai résisté. Enfin, j'ai résisté. Un contrôle. Voilà. Plus ou moins. C'est pour ça que j'attaque mon mari adoré 3 ans plus tard. Hein. La force. La volonté de Mia quand même. Elle résiste alors qu'Alan. Pff, Alan n'a rien du tout. Par contre, Evelyne, t'as essayé de me pourrir. Ça, c'est pas gentil. Ça, ça va se payer. Où est-ce que t'es ? Lumière ! Où est-ce que t'es ? Ah ah ! Caméra de surveillance ! Pas du tout. Ah ! C'est la vidéo pour Ethan que je vais faire ? Ouais, peut-être bien. Bon, sûrement, mais bon. Enfin, il n'y avait pas l'alarme pendant la vidéo, donc... attention au raccord, hein. Ethan ? Mauvais raccord. Tu avais raison. Je t'ai menti. N'aurais pas dû, mais... Tout ce que je peux dire, c'est que... Si tu as ceci... Reste... à l'écart. Oublie jusqu'à mon existence. Mais on l'a pas fait. Et sois heureux. On l'a pas fait, et puis... Et puis tu nous as envoyé un message là, donc on est venu. Ouais. Et si on avait su. Oh, je peux. Ah, c'est... Oui. Youpi. C'est génial. C'est pas moi qui l'ai eu. Wow! Ouais! Là, on est dans la mer. Et donc Evelyne s'est fait adopter par les Baker. Elle a trouvé la famille dont elle rêvait. Putain. Tu te souviens maintenant ? Ouais ? Oui, Evelyne. Tu te prends une gifle ?